Allez, salut à tous, c'est Tank et donc aujourd'hui on va se retrouver pour notre épisode 15 sur XCOM. Alors, la dernière fois, si je ne dis pas de bêtises, nous avons. Ouais, voilà, on a eu. Ah, je l'ai pas. Les allumettes, non pas les allumettes, les disques, les cyberdisques qui nous ont attaqués. Mais vu que j'ai dû faire la recherche sur le cyberdisque. Je regarde juste là. Voilà, autopsie du cyberdisque et du drone. Vu qu'on les a fait, nous avons plus les unités dans dans le marché gris. Donc voilà, on a vu un petit peu de robots et ça change un petit peu. Donc au niveau de ce qu'on va faire quand même aujourd'hui, enfin du moins aujourd'hui ou dans le prochain épisode, on va quand même essayer de capturer un alien. Car vous voyez, c'est quand même un petit peu ce qu'on doit faire. Capturer un extraterrestre vivant. Et après, il faudra l'interroger. Et il faut aussi absolument qu'on arrive à envoyer donc un satellite. Enfin, ouais. Un satellite sur les États-Unis ou sur l'Inde. Mais il faut faire ça assez rapidement. Les terminaux de liaison satellite ont atteint leur les terminaux, capacité ils sont maximale. forcément. De nouveaux terminaux sont nécessaires. Faut forcément que j'en fasse un autre. C'est juste que je regarde un petit peu parce que. Voilà, pour vous dire, en fait, je fais une autre partie en alternance pour m'amuser, en facile en plus. Où je suis déjà rendu plus loin, et je la fais vraiment pour m'amuser, pas pour, enfin, pour le fun quoi. Donc ça change un petit peu. Là, faut vraiment que je fasse gaffe à ce que je fais, mais pas sur l'autre. Hangar, liste des avions, j'en ai bien 5, c'est ce qui me semblait. On va peut-être un petit peu changer ça aussi. Je regarde juste les installations. Générateur, ouais, c'est pour ça, c'est qu'on attend que le générateur se fasse pour après construire le terminal de liaison. C'est parce qu'il me semblait que je faisais un truc comme ça. Sachant que niveau de thune, je vais être ric-rac. Ouais. Alors, ce qu'on va faire, dès qu'on va avoir assez de thunes, je pense, après le conseil, on va améliorer donc les lasers, enfin les canons qu'on a sur les avions, parce qu'on a des petits lance, enfin on a des missiles avalanche, ce sont les premiers missiles. Quand vous sélectionnez un avion spécifique dans le hangar, vous pouvez modifier son armement selon vos besoins. Voilà. Donc on peut voilà, modifier l'armement, ça c'est vraiment l'armement de base. Donc 70% de précision, on a une longue portée, cadence de tir elle est plutôt lente, les dégâts sont faibles et la pénétration est faible. Et après, donc on peut améliorer, là on a au niveau. Des missiles. Donc on a les canons Phoenix qui sont qui peuvent infliger des dégâts explosifs considérables, mais la portée d'attaque est très courte. Donc voilà, ce qui est un petit peu plus dangereux pour les intercepteurs. Et on a ensuite le canon laser. Qui est canon laser hyper refroidi, peuvent abattre la plupart des vaisseaux extraterrestres, mais leur portée est limitée au but de s'approcher des ennemis. Donc l'appareil ça oblige à s'approcher, mais il fait quand même plus de dégâts que le canon Phoenix, donc on risque très bien de faire celui-là incessamment sous peu. Donc traite de blabla, on va voilà, on est parti. Générateur terminé. Très bien, nouvelle construction. Et qu'on fasse le terminal de liaison. Et forcément, j'ai pas assez de sous, donc je ne vais rien faire pour le moment. Ok, je regarde juste à peu près comment on est, ça marche. Fonderie, je vais voir si je peux faire des trucs dans la fonderie. Bon, pistolet amélioré, pour le moment c'est vraiment pas le principal, on va faire ceci. Je pense qu'on fera assez vite. Donc on est parti, les titans vont être faits. Ça c'est cool. Donc le titan qui est tout simplement la nouvelle armure, donc je pourrais vous dire là. Vous verrez qu'il va nous être très 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 utile. Donc, le titan compte parmi nos armures les plus lourdes, offrant une protection améliorée contre les tirs et une immunité au feu et aux toxines. L'avion, je vais attendre, je vais partir sur le fusil plasmique, je sais que c'est un jour de plus, mais on va aussi améliorer ceci un petit peu l'armement. Est-ce que je peux en faire un titan? Non, 147, ah, c'est dommage. Sinon je l'aurais fait pour protéger justement un petit peu les personnes, enfin les combattants.
attends. Yang est revenu. Commandant, on reçoit plusieurs appels de détresse. Des enlèvements se produisent actuellement aux emplacements marqués sur le globe. Donc on va aux États-Unis, c'est très difficile, mais c'est pas un souci. Ah, c'est vrai qu'on avait 6 personnes. Alors, je vais quand même envoyer la grosse équipe. Je préfère prévenir, on va envoyer la grosse équipe. Hop, hop. Ouais, toi, il va falloir que tu rechantes, parce que c'était une nouvelle recrue. Enfin, t'es chaud, une nouvelle recrue, en fait. Toi, t'attends un petit peu, hein. Voilà, hop, hop. T'as la cape, tu m'enlèves. Tu prends ça. Tu prends ceci. Voilà, je vais prendre. Essaye de pas perdre trop de temps là-dessus. Hop, hop. Alors, le sniper, Athéna. C'est parti, là, je fais un gros sniper. 106 en plus, je vous rappelle de viser plus les 10 que je lui mets. Donc on a quand même. C'est là que je me demande en fait si je devrais pas les mettre plutôt en gilet nanofibre. Mais vu qu'elle avait resté plutôt en arrière, je relance le scope, je préfère. Ensuite, il me faut un grenadier. Alors, on va mettre Zang. On va mettre notre gros grenadier. Je ne veux pas qu'il meure, donc je vais mettre le nanofibre pour lui. Comme d'hab, je ne peux pas échanger la couleur. C'est un peu le problème avec Zang, mais ça passe. Ensuite, il nous faut des commandos. Donc on va prendre le sale gosse. Non, c'est l'équipe que je voulais. Oui, j'ai des petits bugs à ce niveau-là, mais ça passe. Laser diffusant, pistolet, il n'y en a pas. D'autres, non, laser diffusant, je sais. Et tu vas prendre l'électro. Oh, t'as pas de vidéo. Ensuite, il va falloir un deuxième commando. On va prendre les vandales. Hop. Le deuxième laser diffusant. Et toi, tu vas prendre donc la grenade. Et il me faut les sapeurs. Je n'ai plus qu'un seul de sapeurs. Enfin, plus qu'une seule, plutôt d'ailleurs. C'est étrange ça. Ils ont tous péri dans les derniers épisodes? Non. Il doit m'en rester un. Ou non, c'est que j'en ai un qui doit en avoir un des commandos. Parce que là, c'est un sniper. C'est un sniper, grand sniper. Les commandos. Non, commandos. Je vérifie quand même. Tectonique. D'accord. Non, j'aurais l'impression de regarder un petit peu les surnoms qu'ils ont. Oh, dis donc, quoi, c'est vrai que moi je suis. Pour le moment, on va dire, toujours en vie. J'ai qu'un seul. D'accord. Alors, je vais mettre. Bah, une recrue, hein, je suis désolé. On va mettre là, modifier l'équipement. Et sauf qu'il va falloir que. Tout simplement que je la fasse passer. Enfin, que j'aille créer avant toute chose un autre medikit. Parce que vraiment, ils sont deux. Et donc là, voilà. Centre de contrôle. Enlèvement. Fermé. Équipement, toi tu deviens donc sapeur. Hop, 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 hop. Et on est parti. Alors, bah, je vous couvre un petit peu. Des fois, là, c'était l'habitude. On sait comment qu'ils s'en volent. Alors, déjà, je vous préviens, on va quand même essayer de faire un épisode. L'opération est aux États-Unis cette fois. Bah, c'est bon.
le dernier quand on même a intercepté une transmission locale signalant la présence d'extraterrestres dans une grande zone métropolitaine. On devrait aller faire un peu de ménage. Tu radotes, papy. Donc je vous rappelle, c'est tuer les aliens et rester en vie, sachant que c'est ouais, ok, ça c'est le parking. C'est pas forcément le mieux. Allez, allez. Oh là, petit freeze. J'avais bien que j'aurais dû couper mon Skype. Ici Rapace, répondez QG. L'équipe Strike a atteint la Zedo. Demandons autorisation de se déployer. Bien reçu, Rapace. Alors, Strike One a la permission d'attaquer. Je vais déjà pas l'envoyer là-bas. Alors, pour vous montrer un petit peu, on démarre donc sur un parking. On peut repartir. Vous voyez que là, il n'y a aucun problème. On a donc des bâtiments ici. Là, on a le parking, on a encore les bâtiments derrière. Donc, c'est pour ça que la sniper, je vais plutôt la mettre là. Parce que comme ça, au pire des cas, là c'est bon, je peux maîtriser. Mais on sait jamais si ça va par la gauche. Je préfère y mettre voilà, Zang ici. Si ça vient pour la gauche, c'est bon, je sais que c'est Zang qui est ici, il n'y a aucun problème. Ensuite, toc toc toc, je vais quand même envoyer. Voilà, lui, plutôt par là, on va faire venir. Enfin, avec Zang, je pense qu'ils vont aller tous les deux par là-bas, mais sans trop les écarter. D'ailleurs, qui c'est qui l'a? C'est toi qui l'a, l'électroflux. Ouais. Ensuite, un sapeur ici, le plus dire expérimenté. Toi, tu vas aller là. Alors, vu que c'est le premier tour, pour le moment, je les envoie vraiment plus ou moins casse-pipe. C'est-à-dire que s'il y a un sprint à faire, je fais le sprint, il n'y a aucun problème. Voilà. Les troupes ennemies. Il y a un peu de monde là. Règle mon viseur. Toi, t'as tiré sur quoi? Sur un drone. Ah. J'ai un maîtrise. Mais c'est pas gênant. Donc là, nous avons un cyber disque avec deux drones, comme d'habitude. C'est vrai que c'est pas toujours comme ça. Alors, il y en a un qui a perdu deux sur le drone. Donc, il tire sur quoi? Le cyber disque qui t'a raté. Robinson tire sur le drone. Que tu as raté. Ah, tu peux le dire, oui. Alors, on va commencer par toi. Level, tu chopes le drone. Voilà. Ensuite. Pas toi. Toi, le sale gosse, tu me fais double gâchette sur raté et raté. Ah non, 4. Je suis mauvaise langue. Ensuite, ça 66%, c'est pas énorme. Hop, toi, tu le vois, mais je pense pas d'assez. Tu vois le combat? Ah, 53%, je vais même t'approcher quand même. Un petit 85%. Tu peux one shot, ça c'est cool. Ouh, la voiture, on sait qu'après elle explose. Ensuite, la snipeuse, elle va aller là. Parce que là on sait très bien qu'on a des Goliaths qui sont dans la maison. Ennemi en vue. Ok, et on a vu quoi? Ah, très très bien. Alors là faut que je ramène voilà, il faut falloir que je capture, je pense c'est un 2 que je vais capturer plutôt, parce que non, toi tu vas aider. Il faut que j'essaie de capturer une des allumettes, parce que enfin un des allumettes. Donc 3 points de vie, donc je dis que je peux le faire. Et je peux pas pour le moment capturer encore de drones, même s'ils ont 3 points de vie. C'est des robots pour le moment, eux, quand je vous le rappelle, donc c'est pas le plus cool.
Alors, est-ce que le drone il bouge? Il m'attaque. Il m'attaque lui, parce qu'il aurait pas tiqué. Ensuite, je fais quoi? Il m'attaque. Je perds un point de vie, ça va. A priori, ouais, on a perdu quand même les. Les Goliaths, donc t'as plus de balles. Alors toi, tu restes ici en vigilance. Ensuite, toi, tu vas aller là-bas. 7%. Ça, si tu l'as, ça c'est cool. Ensuite, toi, je vais te décaler là pour le moment. Tu vas mettre en vigilance pour protéger là. Toi, tu vas te mettre. Tu vas rester ici. Tu vas aller là. Tu te mets en vigilance, je vais pas devoir bouger. Et toi, Shilong, tu vas avancer jusque là-bas. Rechargement! Et tu recharges. Donc ça, j'ai le Goliath qui est ici et qui nous tire déjà dessus. Ça, j'ai remarqué, ouais. Ah, pour le moment, on a un Goliath. On a lui qui nous tire toujours dessus. Tu fais quoi? Cœur, ah, son Shilong, non. Pas un zombie. Vous avez par exemple, des fois je vais l'appeler Shilong, des fois je vais l'appeler Zang. Ça va vraiment être pas très très bizarre à ce niveau-là. Alors, ce que je vais faire, je pense que je vais contourner le bâtiment par la droite. Et vraiment passer par là. Je sais qu'ils sont là-bas, il y a au moins deux aliens là-bas. Ok, ça explose. Alors, c'est-à-dire que là, la sniper, elle va reculer ici, et elle passe du temps. Tant pis. Ensuite, toi. Tant pis, tu viens jusque là. C'est pas un souci. Ah ouais, bah pour l'idée, il faudrait que tu recharges en plus. Et là ça tu recharges tranquillement. Ensuite hop. C'est là que la lumette allait faire un tir réflexe. Mais il est trop mauvais. C'est là que je suis protégé. Et toi je vais te caler là. Tu vas rester ici en retrait, au cas où. Et toi, mademoiselle, la petite nouvelle, et mademoiselle, voilà, jusque là. Au cas où, pour les prochains tours. Alors, là on voit rien, on a quoi? Il y a quelque chose là-bas. Et qui est mort. Donc on a osé qu'on a fait 12. Un coup critique de 12. Vous allez voir que ça va être très très utile pour nous. Donc là nous avons deux Goliaths. Alors. Donc les Goliaths qui ont quand même envoyé du fil à retordre là je pense. Qui vont donner du fer. Allez, voilà. Je vais couper Skype entre les deux épisodes, ça va pas le faire. Et si t'es en sprint, non, t'es pas en sprint ici. Alors hop, tu décales là. Alors, qu'est-ce qu'on a? 26%. Bon, c'est pas énorme, mais je vais quand même tirer. Et bah, j'ai bien fait. 26% à coup critique de 7.
Alors, toi, qu'est-ce qu'on va faire? Attendez, on va avant toute chose voir. Toi, du coup, tu peux aller. Ouais, tu vas te décaler là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a toi, pour le moment, j'ai pas bougé, toi non plus. On a l'autre qui est ici. Toi, tu vois du monde. Ah, je te décale quand même ici. Ah oui, ça marche. Ah oui! Donc, non, j'ai fait une bêtise. Parce que j'ai vu que l'autre est toujours là-bas. Oui, il a pas bougé. On a quoi? 1% ou 1%. Donc tu vas rester en vigilance au cas où. Et ensuite, toi, jusqu'où tu peux aller en sprint? Jusque là. Ben, je t'envoie en sprint jusqu'ici. Alors, lui, je vais essayer de pas trop le faire attaquer pour le moment. Toi, tu restes en vigilance là. Et toi aussi. Le moment. Ce qu'on va faire, je vais envoyer une petite escouade pour faire le tour, c'est-à-dire la soigneuse, là. Enfin, un des sapeurs, le sapeur je veux dire, et donc mon commando qui vont contourner pour pouvoir essayer de capturer un alien, peut-être capturer un Goliath qui est là. Alors quel que soit l'alien qu'on capture, il y a juste en fait la cinématique du alien qui va changer. Enfin vous verrez quand je vais vous montrer, mais veux dire ce qu'on obtient par la suite de l'interrogation, c'est la même chose. Ça c'est pas un souci. On va voir, ça a quand même pas beaucoup là. C'est toi jusqu'où tu peux aller là. Sprint jusque là-bas, je devrais pas le voir. Voilà, c'est ce que je voulais. Vigilance. Toi, tu vas. Ah ouais, là je fais voilà, vraiment les petits tours. Je reste en mode tranquille. Toi, tu vas recharger. Toi, tu restes en vigilance. Et là, pour le moment, c'est vrai que je m'occupe pas des aliens. Je vais vraiment essayer de capturer un alien. C'est un peu ça le principe. Donc là pour le moment j'ai quand même de la chance, c'est-à-dire que je ne fais pas trop toucher. Donc j'essaie de profiter de cette chance là que j'ai. Mais si je vois que le sniper a quand même un peu bouffé là. J'ai rien. C'est vrai que je fais quand même un petit peu beaucoup d'attente. Ah, sniper. Faut faire attention sniper. Parce que je rappelle c'est quand même le meilleur sniper que j'ai. Hop, empoisonnement en plus toujours. Attends, deux secondes. Toi, est-ce que tu peux te déplacer? Là, t'es en sprint, là, t'y es pas. Donc, si ici, t'y es pas, je t'envoie là. Ok, j'attends ta figure. Excellent. Nous allons pouvoir nous préparer pour l'interrogatoire. Voilà, on a donc notre alien capturé. Donc ce qui veut dire que maintenant, c'est-à-dire que toi, tu meurs. Alors, sachant qu'on peut, si on veut, on peut en capturer un deuxième. Mais ça ne nous fera rien changer de plus, hein, parce que de toute façon, comme je vous dis, il donne exactement la même chose. Donc toi, tu restes là pour le moment en vigilance. Toi, de là, tu vois personne. Donc vu que t'as un collègue qui est là-bas, je vais t'approcher d'ici. Toi de là tu vois personne, je vais donc te décaler là. Hop, et Shilong, Zang, tu vas avancer là pour aller détruire un petit peu du Goliath qui est là-bas. Alors on a eu pour le moment, je crois, deux allumettes, ou un, ou une, tu veux dire. Raté, ok, c'est en feu, faut que je le bouge après. Alors, toi, si je te décale là, c'est bon. Headshot, s'il te plaît. Non, j'avais dit headshot.
Je vais d'abord en profiter pour décaler. Hop, toi. Où je te décale. Je te décale là juste le temps de ma voiture. Le temps que la voiture explose. Toi, je te décale là, comme ça je vais pouvoir protéger le sniper si toi rien du tout, tu la soignes. Tout simplement. Oh, tu l'as pas soigné là. Je crois que j'étais auto-soigné comme un con. Putain. Je suis un peu aboulé. Bon. Alors, toi. Voilà, en plus on peut pas revenir en arrière quand on soigne les... Petit freeze. C'est un peu embêtant. On va les démolir. Ouais, si, je vais décaler quand même. Jusque là. Je suis occupé. Ton roi Castle est bien en plus. Et toi, il te reste une protection ici. Alors tu vas là. Alors a priori, on aurait. Peut-être que la musique a changé, peut-être qu'on en aurait vu d'autres. Il tente de se replier. Alors ça vient par où maintenant? Hop là, sniper jusque là-bas. Lui, il a vraiment pas bougé depuis le début. Hein. Bah, très bien. Ok pour ça. Et ensuite, il doit me rester donc un, une allumette. Voilà, vous l'avez dit. Alors maintenant par contre ce n'est pas fini, hein. Vous avez vu que, enfin vous avez vu, du moins vous voyez que j'ai pas fini l'action. Je vais me décaler là-bas pour aller peut-être soigner Zang par la suite. Toi, si toi je peux te décaler un petit peu mieux, voilà par ici. On a vu hein. Ah, il y en avait un dans les bâtiments derrière. Je vais porter un coup de grâce. Bon, il y a rien de caché là. On va voir. Hein. Non, il est pas là-bas. Donc je ne sais pas du tout où il est. Oh, il y avait deux ici. Oh, salope. Oh, panique pas, toi. Non, non, non. Putain. Quelle bande de boulets. Oh putain. Non, c'est, en fait surtout c'est que j'ai eu peur que c'est en fait la sniper qui se fasse shooter. C'est quand même ce que j'ai eu peur. Donc c'est pour ça que j'ai un peu paniqué, complètement d'ailleurs. Voilà, comme ça je vais mettre une cible là-bas. Toi tu vas rester ici. Aller là. En plus tu le vois quoi.
Et donc toi, ce qui serait bien, je peux pas t'envoyer. Mince. Je peux t'envoyer là. Balle rapide. C'est pas grave, ça te fera fuir. Alors là, clairement, j'ai peur quand même que le sniper se fasse toucher. Parce que c'est vraiment pas cool que Athéna se fasse toucher parce qu'il reste plus que 2 points de vie. Et voilà. Merci mon dieu, merci. Je sens qu'il y en a un qui s'appelle Isoka qui va me dire putain t'as eu de la chance. Et je vais lui répondre oui Iso, je suis d'accord avec toi. Sauf si d'ici là elle meurt. Normalement c'est le dernier, hein, on est d'accord. Alors je le fais là pour quand même éviter mes alliés, hein, je vous rappelle, c'est quand même pas le but. Comme ça il reste plus qu'un point de vie. Il y a toi qui l'a. Neutralisé. 67%. Ouais vas-y. Objectif cool. De mission accompli. Alors j'espère que c'était le dernier hein. Oui. Bon certes on a perdu quelqu'un, c'était une recrue. Malheureusement c'est quand même un peu chiant même si c'est bon. Par contre, on a quand même réussi l'objectif, c'est-à-dire de capturer notre alien. Donc ça, c'est cool. Dès que le fusil plasmique va être fait, je vous rappelle, c'était la prochaine recherche qu'on est en train de faire. Dès que c'est fait, on balance la priorité sur l'interrogation de l'alien. Et vous allez voir que ça va être, on va pouvoir un petit peu plus avancer dans tout ça. J'arrête avec ça. Je vous ai dit quoi, l'épisode 15 au début, non? Soit c'est le 15, hein, parce que c'est pas le 14, hein, comme j'ai pu dire. Oula, panique en Argentine. Ça, je devais m'en douter. Donc, nous avons un second pays qui panique. Alors, blessé grave, ça c'est pas un souci. Au moins, tu es quasiment à fond. Alors, profil bas qui est très très intéressant pour les snipers. Permet de considérer les abris partiels comme les abris entiers, c'est-à-dire que partout, elle est protégée entièrement. Ça, c'est cool. Ah. Ah. Voilà, ça, c'est cool. Ensuite, nous avons Yang. Donc, ben, on va la faire sprinter de cases de plus. Enfin, c'est passé de cases de plus, comme d'habitude. Et expert du combat rapproché, des consentis réflexes contre tous les ennemis se rapprochant, nanana. Augmente de 1 les dégâts des coups critiques. Non, on va faire ceci. Je vous rappelle que mes commandos, je risque tout simplement de les faire quand même, enfin surtout par la suite, les faire avancer encore plus, de plus en plus au corps à corps. Donc ça c'est pas mal. Alors je suis en train de regarder mes commandos, ils ont le même nombre de missions, 11 missions. Athéna a 10 missions, donc c'est quand même pas mal. Et ils ont le même rang. Je sais que ce n'était pas facile de ramener un spécimen vivant. Il y a juste 5 éliminations de dégâts. Il y a 27 de faire pour le sniper. Nous allons pouvoir et vous allez voir que par la suite, dès qu'il va être... Pour en savoir plus sur la physiologie extraterrestre. Excellent travail. Nous préparons l'enceinte de confinement pour la détention. Donc oui, utilisez par la suite, risque de faire beaucoup plus de morts, vous allez voir ça, ça sera bien plus intéressant dès qu'elle sera au prochain grade en fait. Donc on a, nouvelle recherche disponible, l'interrogation du Goliath, c'est très utile. Vu qu'on l'a capturé sans le tuer, nous récupérons son arme, qui est le fusil plasmique léger, donc qui est l'augmentation des lasers, et nous récupérons sa grenade extraterrestre, ça c'est cool. 3 allumettes, 3 Goliaths, 1 cyberdisque, 2 drones, Goliath captif. Nous vous recontacterons, okay. Commandant. Amérique du Sud, indice de panique en hausse. Europe, indice de panique en hausse. Ça, c'est pas cool.
Donc États-Unis c'est viré. Par contre on a l'Argentine qui a augmenté. C'est pas cool. Et ça. Requête. Qu'est-ce que c'est comme requête? Bon bah j'en ai pas les sources d'énergie hein. Donc c'est vite réglé. Ouais par contre on est en train de regarder le temps. 35 minutes. Bon. On va se finir là-dessus. Parce que voilà, on va faire la nouvelle recherche. Donc on peut ben, tout simplement le fusil plastique maintenant on va pouvoir les créer. Même si c'est celui que j'ai déjà un. Hein. Donc ce fusil léger utilise le même système que nos armes. Que nos autres armes plasmiques. Un jet de gaz ionisé projeté à travers un champ magnétique concentré. La structure légère permet d'améliorer la précision de l'arme de manière significative. Donc voilà, on peut, donc je te rappelle, on va pouvoir maintenant faire les canons plasmiques pour les vaisseaux, enfin le nouvel avion. On peut faire nos fusils plasmiques et on peut faire donc l'interrogation du collègue qui va être très intéressant. On fasse maintenant. Je me dis. Donc voilà, donc c'est quasiment plus ou moins tout le temps, enfin voilà, là, on va dire que la cinématique va changer sur nos aliens. Mais après ce qu'on va obtenir c'est toujours la même chose. Je l'ai fait dans la première partie en facile avec un planeur sur un canal sécurisé. Et je l'ai fait avec un Goliath dans la deuxième phase, donc justement dans la deuxième partie. Et c'est exactement la même chose. Donc là je fais voilà le conseil. Ah. Alors c'est encore le sujet du train. Est-ce que je vois c'est les transpondeurs. Je vous ai dit la dernière fois non. Pour le moment je vais dire pas maintenant. Simple et bonne raison. C'est que tout simplement j'ai quand même des objectifs principaux à faire. Ont décidé de ne plus. Et là je vais vraiment me concentrer dessus. Ah oh, putain. Moins deux. Excellent travail commandant. Le conseil est ravi de voir que vous avez su vous montrer digne de son soutien. Donc vous avez vu que l'Inde et l'Argentine continu. Nous ont quittés. Donc je suis à moins 3 pays. Ça c'est quand même pas cool du tout. Pour éradiquer la menace extraterrestre. Alors l'armée d'élite ça c'est mort. Là il n'y a pas le satellite là non plus. Alors je sais plus. Alors nous avons un rang B. C'est quand même bien mieux que la dernière fois qu'on avait un rang D. Là on a attaque stoppée 1, enlèvement stoppé 2, satellite lancé 1, profiter de recherche éliminée 6. C'est quand même énorme, on a fait des petits projets, ça c'est pas mal. Alors, ça on peut plus l'avoir, ça non plus. Donc les 3 qui sont là, les bonus qu'on pouvait avoir, on peut plus les avoir. Les terminaux de liaison satellite ont atteint leur capacité maximale. De nouveaux terminaux sont nécessaires. Hop, salle de surveillance. Je vais juste voir un truc. Voilà, ce que je peux avoir ici, domination aérienne. C'est-à-dire tout ce qui est... pour les avions, en fait, c'est tout simplement plus rapide au niveau des réparations et tout dans le genre. Là, j'avais quoi? J'ai pu. Et c'est super le jackpot. Donc, je vais quand même peut-être me concentrer plus sur. C'est l'Afrique, le continent africain. Pour avoir le bonus de jackpot. Qui va tout simplement nous permettre de gagner plus d'argent à chaque fois. Donc, c'est peut-être là-dessus que je vais me concentrer quand je vais envoyer mes satellites. Je ne sais pas quand encore pour le moment. Mais ce sera là-dessus pour la prochaine fois. Et donc, ouais, je vois le temps, hop, je m'arrête là. Je vous dis, pour moi, aussitôt dans l'épisode 16, mais pour vous, à la...